740 vues sur YouTube en 48 heures pour une vidéo. C'est peut-être insignifiant pour vous, mais pour moi, c'est énorme. Surtout pour une vidéo diffusée depuis plus d'un an et demi. À ce rythme-là, 375 par jour, ça ferait plus de 200 000 vues. Mais le compte est à, c'est celle-là, Jacques Chirac, la même, 2163. Donc, c'est 11 et 12 mai 2018. En 2 jours, un tiers des vues ont été réalisées sur cette vidéo. D'un humour lotois, imaginant la préparation du discours de François Hollande qui a eu le temps depuis un an et demi d'écrire un livre après avoir terminé son mandat. Rien à signaler sur le sujet de la fin de vie du président Chirac. Alors que se passe-t-il? Du côté de Jacques Chirac et du mien, rien. Donc il semblerait que YouTube présente cette vidéo tout simplement, soudainement, pour une recherche sûrement Jacques Chirac ou François Hollande. Donc oui, le nombre des vues est fortement influencé par les résultats YouTube et Google. C'est ainsi. Vous regardez ce que l'on vous met devant le nez, vous n'êtes pas non plus très raisonnable, mais c'est ainsi. Certes, 740 en 2 jours, c'est insignifiant finalement pour le monde YouTube et l'électorat de Jacques Chirac. Mais je pourrais retomber à 3 par jour, qui est donc la moyenne si on retire 740 du nombre de visites global qui est à 2163. Oui, je pourrais retomber à 3 par jour si YouTube et Google décident. Moi, je fais des petites choses, ce qui n'est sûrement pas le meilleur, mais il m'avait fait rire, et c'était déjà ça. Donc voilà, d'imaginer François Hollande préparant un discours pour faire aussi bien que Jacques Chirac l'avait fait pour la disparition du président François Mitterrand. Et voilà, tant que je vous cause même. C'est passé à 750 durant les 48 dernières heures, ce qui ne change pas grand-chose au raisonnement. Donc voilà, et mes autres vidéos, vous pouvez aussi voir qu'en 48 heures, les pintades qui ont un certain public, c'est le chant des pintades à 63, et ensuite ça tombe à 5 vues par jour, je dirais, hein, que ce soit la réaction de notre maire, de Mon cul qu'enquercit blanc. L'envolée du rire jaune, ce qui ne satisfait pas tout le monde, ou la venue de Prima Nocta, un groupe belge au festival médiéval, ou la présentation du CD Sarkozy et la vidéo d'accueil qui est une reprise d'un certain Emmanuel Macron. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ensuite on trouve la parodie de Nicolas Sarkozy, la pyramide du puits, voilà. Et là, on est à 4 ou 5 par jour. Et même on tombe, vous voyez, à moins. C'est ainsi. Nous en sommes là. Pourquoi, soudain, une vidéo, un an et demi après son lancement, cartonne, cartonnée à mon niveau.